اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Avant de continuer, je vais reprendre quelques points que j'ai mentionnés hier. Et je voudrais mentionner l'engagement des prophètes. J'ai mentionné, entre autres, en parlant à propos de plusieurs aspects à propos de ce verset, j'ai dit que ce verset couvre plusieurs points à propos de notre attitude concernant ceux qui viennent de la part de Dieu. Si quelqu'un déclare qu'il est venu de la part de Dieu, quelle doit être notre conduite par rapport à cette personne? Et j'ai déclaré, entre autres, que ce verset couvre tous les points concernant l'attitude que nous devons adopter, mais il y a quelque chose qui est absent ici. Ce verset parle à propos de ceux qui sont des prophètes de la part de Dieu, des personnes qui sont venues en accomplissant les prophéties passées et qui sont venues afin de compléter les messages qui ont été révélés du passé, il est déclaré que vous avez pris un engagement avec moi que vous allez soutenir ces prophètes et que vous n'allez pas vous opposer à ces personnes. Mais l'opposition n'est pas mentionnée ici dans ce verset concernant l'engagement des prophètes, mais les paroles mentionnées sont que vous allez soutenir ces personnes, vous allez soutenir ces prophètes de Dieu. On n'a pas mentionné ceux qui n'ont pas été envoyés par Dieu, c'est-à-dire rien n'a été dit ici à propos des imposteurs. Donc, que dire des imposteurs et que faire dans le cas d'un imposteur? Quelle attitude doit-on avoir vis-à-vis ces imposteurs? Et que nous dit le Saint-Coran à ce propos? Ce verset-ci ne mentionne pas cette attitude. Est-ce que le Saint-Coran a omis ce verset ou a omis cet enseignement? Je crois qu'Allah a omis cela par exprès parce que nous n'avons rien à faire avec ces imposteurs. Au moment où on arrive à comprendre qu'un soi-disant prophète est un imposteur, Allah n'attend pas une attitude de notre part parce que cela ne nous concerne pas. Donc, puisque cela ne nous concerne pas, le Saint-Coran s'arrête là, net, et ne se prononce pas à propos, et ne mentionne rien à propos des imposteurs. Si ces prophètes sont vrais, c'est notre devoir à nous en tant qu'humains de les soutenir. Et cela est le point que le Saint-Coran devait mentionner. Si ce sont des imposteurs, alors ils n'ont rien à faire avec nous. Voilà donc l'attitude qui a été adoptée dans ce verset. Et le Saint-Coran est resté silencieux à propos des imposteurs ici dans ce cas. Donc, évidemment, on doit trouver d'autres versets dans le Saint-Coran afin de me soutenir ce point de vue. Et il n'y a pas un seul verset. Il y a plusieurs versets dans le Saint-Coran qui détaille ce sujet, et parmi il y a ce verset. Donc, j'ai choisi un verset pour illustrer la situation. Allah déclare: Am yaquluna aftarahu qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li min Allahi shay'a
هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Disent-ils, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, vous ne pouvez pas mettre d'aucun secours contre Allah. Il sait mieux ce dont vous discutez vainement. Il suffit comme témoin entre moi et vous, et il est le très pardonnant, le miséricordieux. Donc, la première partie est très importante ici. Ils disent... Il l'a inventé, disent-ils, il l'a inventé. C'est une attitude négative qu'on peut adopter vis-à-vis un prophète. C'est-à-dire, on peut considérer un vrai prophète de Dieu d'un imposteur. Quelle doit être la réponse d'un prophète qu'on a qualifié d'imposteur? Le Saint-Coran déclare, Allah a informé le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, de répondre que si je l'ai inventé, dans ce cas, vous ne pouvez mettre d'aucun secours contre Allah. Vous ne pourrez pas m'aider. C'est une façon très intéressante de mentionner ce sujet. Il n'est pas dit que si vous allez vous opposer, si vous vous opposez à moi, je serai complètement détruit. Ici, on n'a pas mentionné l'opposition des gens. Ici, Dieu n'a pas mentionné l'opposition des gens, mais il est déclaré que si je suis un imposteur, dans ce cas, vous allez peut-être me soutenir. Il y a cette possibilité parce que les êtres humains s'opposent tout le temps aux vrais prophètes. Ils ne s'opposent pas aux imposteurs. Si c'est un imposteur, alors dans ce cas, vous ou une section de la société, vous allez me soutenir. Donc, c'est une implication très intéressante de ce verset et on doit s'appesantir dessus. En fait, tous les imposteurs qui sont venus dans l'histoire ont toujours été supportés par une faction de la société avant qu'ils aient fait leur déclaration. Soit qu'ils ont été soutenus par leur tribu ou par une autre faction de la société, ou soit qu'ils ont été soutenus par une clique quelconque. Personne ne s'est déclaré prophète alors qu'il n'était pas un prophète sans qu'il n'ait reçu le soutien de quelqu'un ou le soutien d'une faction de la société. Regardez par exemple l'histoire des imposteurs en l'islam. Et vous allez voir que c'est le cas. Dès l'époque de Mutanabbi ou d'autres imposteurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est une déclaration qui est exacte dans les cas de tous les prophètes, dans les cas de tous ces imposteurs. Regardez la vie des imposteurs durant les 1400 ans, vous allez voir que cette déclaration s'applique exactement à ces personnes. Soit qu'on a qualifié ces personnes de fous, soit qu'ils ont eu le support ou le soutien positif de quelques personnes ou d'un groupe. Personne n'est sorti tout seul, sans aucun support matériel. Ils avaient tout le temps eu des soutiens matériel et ensuite ils ont été soutenus par une faction de la société et ils ont grandi en nombre. Donc ce verset mentionne tout ce qui se passe dans le cas des imposteurs. C'est une façon très intéressante de présenter la chose. Ici il est déclaré que si je suis un imposteur, votre soutien ne me servira à rien. Ici il n'y a pas question d'opposition. Si je suis un vrai prophète, alors certainement votre opposition n'aura aucun effet, mais ici il a déclaré que si je suis un imposteur, alors il est possible qu'une faction de la société va me supporter, va me soutenir, parce que les imposteurs sont tout le temps soutenus par une faction de la société. Dans ce cas, je vous rassure que ce soutien ne me servira à rien vis-à-vis Dieu.
Cela veut dire que les imposteurs voient toujours la destruction. Les imposteurs sont toujours annihilés par Dieu lui-même. Donc, les imposteurs sont toujours voués à la destruction et le soutien des êtres humains ne servira à rien. Cela ne servira à rien vis-à-vis Dieu. Quand vous lisez les autres versets du Saint-Coran qui s'appliquent à la situation du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous comprenons la situation davantage. Il est dit que ceux qui déclarent que le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, a inventé le livre ou qu'il a forgé le livre. لو تقول علينا بعض الأقاويل. Alors que s'il avait forgé des paroles quelconques, بعض الأقاويل, quelques paroles, pas le livre en entier, mais s'il avait forgé quelques paroles et nous les avait attribuées, nous l'aurions assurément saisi par la main droite. Notre responsabilité est de l'arrêter par la main droite et par Yamin. Le Saint-Coran veut dire ses sources, les sources de sa puissance ou de son pouvoir. Nous l'aurions arrêté et nous l'aurions saisi. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Et nul parmi vous n'aurait pu le protéger contre nous. Donc, dans ce cas-ci, il aurait pu être soutenu par une faction de la société, et cette faction de la société aurait pu se mettre entre lui et Dieu. Mais Allah a déclaré, nous l'aurions tranché la veine jugulaire, et nul parmi vous n'aurait pu le protéger contre nous. Donc, voilà ce qu'Allah réserve pour les imposteurs. Dans un autre verset, Allah clarifie la situation davantage. Elle mentionne un incident très intéressant à l'époque d'un prophète, à l'époque de Moïse. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. From among the people of Pharaoh, Et un homme croyant parmi le peuple de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, donc il s'est adressé à ceux qui voulaient tuer Moïse. Il a déclaré, voulez-vous tuer un homme parce qu'il dit, mon Seigneur et Allah, voulez-vous tuer un homme parce qu'il déclare qu'Allah est son Seigneur? Alors qu'il est venu à vous avec des preuves manifestes de la part de votre Seigneur. Et il a apporté des signes manifestes de la part de votre Seigneur. Donc si vous avez décidé de le tuer pour ce crime, alors écoutez-moi. Il déclare que ce n'est pas l'attitude appropriée. Il déclare, et s'il est un menteur, alors le péché de son mensonge retombera sur lui. S'il est un menteur, son mensonge repose entre lui et Dieu. Et certainement, Dieu le châtiera pour son imposture. Ce châtiment ne tombera pas sur vous. Donc,
Pourquoi craindre cela? Pourquoi le craindre? Portez, portez et ne vous souciez pas de cette personne. Vous n'êtes pas concerné avec cette personne. Donc, comment est-il possible que je déclare quelque chose de faux à propos de Dieu et qu'Allah vous châtie vous? C'est entre vous et moi, c'est entre moi et Dieu, ce n'est pas entre vous et Dieu. Mais si cette personne est véridique et si quelqu'un essaye de le tuer, alors la personne déclare, mais s'il est véridique, alors quelque chose de ce dont il vous menace tombera sûrement sur vous. Si cette personne est véridique, s'il est un prophète de Dieu, Yusibkum ba'dallazi yaridukum, alors dans ce cas, quelque chose de ce dont il vous menace tombera sur vous, la colère divine vous tombera dessus certainement. Donc, dans ce cas, cela va vous concerner. Cela va se passer si il est supporté par quelqu'un, mais s'il est un vrai prophète de Dieu, alors cela vous concerne, vous devez le soutenir, ou tout au moins, vous devez pas vous opposer à lui. Si vous vous opposez à cette personne, vous allez recevoir la colère divine. Donc, en voyant ces versets, nous comprenons ce sujet et nous ne voyons pas d'autre attitude envers des prophètes ou envers des imposteurs. Donc, on n'a pas d'autre attitude à adopter que les attitudes présentées par le Saint-Coran. À propos du Messie premier, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, les détracteurs de l'Ahmadiyya déclarent qu'il a été soutenu par les Britanniques. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pu le détruire. S'il n'a pas été soutenu par les Britanniques, alors certainement nous l'aurions détruit. Voilà ce que disent nos détracteurs. En fait, qui êtes-vous pour le détruire? C'est Dieu qui aurait dû le détruire en premier. Donc pourquoi est-ce que vous voulez jouer le rôle de Dieu? Lisez le Saint-Coran et comprenez ce que nous dit le Saint-Coran. Le Saint-Coran ne déclare pas que si vous trouvez un imposteur, vous devez le détruire. Il n'y a pas un seul verset qui mentionne ces faits. Il n'a pas été déclaré dans le Saint-Coran que vous devez tuer un imposteur s'il vous parle. Au contraire, le Saint-Coran déclare que vous n'avez rien à faire avec cette personne. Donc pourquoi jouer le rôle de Dieu? Mais vous êtes un Dieu très très faible dans ce cas. Un Dieu si faible que vous n'avez rien pu faire contre cette personne. Une personne qui avait le soutien des Britanniques. Quelle honte, dit sa sainteté. Si vous voulez jouer le rôle de Dieu, alors soyez un Dieu tout-puissant et non pas un Dieu qui est plus faible que les Britanniques. Donc c'est une attitude absurde et dénuée de tout sens. Je vais me tourner vers trois expressions qui ont été utilisées dans le Saint-Coran à la fin de la sourate Fatiha. Il y a Anamta alayhim, Mardoubi alayhim, Waladwalin. Ce sont trois expressions qui sont très différentes l'une de l'autre. Comme mentionné, Anamta alayhim signifie sur ce ceux à qui tu as démontré, tu as octroyé tes faveurs. Donc, le sujet de faveur, le sujet qui octroie ses faveurs est Allah, et l'objet ici n'a pas été mentionné, c'est-à-dire ceux qui reçoivent les faveurs. Il y a certaines personnes qui vont recevoir les grâces divines, qui vont recevoir ces faveurs divines. Donc, Dieu a mentionné le sujet, c'est-à-dire Dieu, et Dieu n'a pas mentionné l'objet. Mais dans le deuxième cas, le sujet n'est pas mentionné, mais
l'objet, le sujet n'est pas mentionné, mais l'objet est mentionné. C'est-à-dire, il y a Mardoub, ceux qui vont recevoir la colère. La colère de qui, on ne sait pas. Donc, ici, dans ce cas, on ne connaît pas le sujet. Et dans le troisième cas, on ne trouve pas mention de la punition, du châtiment. On trouve mention tout simplement du crime. Et dans le cas des Mardoub, on ne trouve pas mention de du crime, mais du châtiment. Mais Dwaline, dans ce cas, on trouve mention du crime, mais pas du châtiment. Donc, c'est une autre façon de regarder la sourate Fatiha. Même s'il est connu et on sait déjà à travers notre littérature que Mardoub s'applique dans la plupart des cas, en d'autres, s'applique pour les juifs. Et Dwarline s'applique pour les chrétiens. Et il y a certaines raisons pourquoi on a fait ce choix. Et il y a certaines raisons pourquoi les commentateurs de la communauté Ahmadiyya ont adopté cette attitude. Le Messie promis et le Mousseline Maoud avaient le même point de vue. Et les érudits du passé aussi avaient le même point de vue. Ils déclarent que Mardoub sont, dans la plupart des cas, les juifs. Et Dwaline s'applique pour des chrétiens. Mais ce n'est pas tout, dit sa sainteté. Cela ne s'arrête pas là. Mardoub veut dire regarder ces personnes du point de vue de la punition. Et dans ce cas, on n'a pas mentionné leur crime. Mais quand vous étudiez le Saint-Coran, alors vous allez trouver référence, la référence de ces personnes qui ont reçu la colère divine. Et là-bas, on trouve mention de leur crime. Et dans le cas des Dwarlin, Dieu a mentionné l'attitude d'un peuple, une attitude criminelle, mais on ne trouve pas mention du châtiment. Cela veut dire que certains Dwarlin peuvent être pardonnés par Dieu et certainement il va pardonner certaines personnes qui se sont égarées. C'est un aspect de la chose parce que la sourate Fatiha a commencé par Rahman. Alhamdulillah et Rabbil Raboubiet et Rahmaniet sont très proches l'un de l'autre. Donc, après la Raboubia, ou avant même la Raboubia, le premier verset de la Sourate Fatiha est Bismillahirrahmanirrahim. Le premier attribut qui a été mentionné, c'est Rahman. Donc, Rahman signifie celui qui est. Il y a une compassion extrême. Et on ne peut pas concevoir une compassion plus grande que la sienne. Sa compassion, sa grâce couvre tout. Il est même gracieux envers ceux qui ne méritent pas sa grâce. Donc, Rahman veut dire que Dieu possède une compassion extrême. Et la sourate Fatiha termine en mentionnant certains criminels. Alors qu'ici, on n'a pas fait mention de leur crime. Cela veut dire qu'ils peuvent être pardonnés par Dieu. Donc, Mardoub ont été mentionnés en premier et Dwaline en dernier. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont été mentionnés dans cet ordre. C'est-à-dire, le début de la sourate Fatiha doit être en accord avec sa fin afin de faire un cercle. Et quand vous lisez le Saint-Coran, quand vous trouvez mention des Dwalin, vous trouvez aussi la mention de ceux qui peuvent être pardonnés par Dieu. Mais Mardoub sont ceux contre qui Dieu a déjà décrété leur châtiment. Donc le crime doit être un crime extraordinaire, même si ces personnes se trouvent dans la catégorie des Dwalin. Parce que quand le Saint-Coran mentionne l'histoire des Mardoub, c'est-à-dire ceux qui ont encouru la colère divine, ceux qui ont été récipiendaires du courroux divin, on trouve mention du terme dhal, c'est-à-dire d'égarer. Ils se sont égarés.
Cela était mentionné dans le Saint-Coran. Et leurs crimes ont été mentionnés comme la dalala, c'est-à-dire l'égarement, dans plusieurs endroits du Saint-Coran. Cela signifie qu'ils sont aussi des égarés, ceux qui ont encouru la colère divine. Mais leur crime a un trait très particulier et c'est pour cette raison que leur crime est beaucoup plus intense. Après cela, ils ont perdu le droit du pardon divin parce que leur crime était extraordinaire. Oui, ils ont encouru la colère divine à cause des crimes extrêmes. C'est vrai que Dieu est gracieux et miséricordieux, c'est vrai que Dieu a une grande compassion, mais ces personnes ont dépassé toutes les bornes. Et dans ce cas, Dieu a décrété ici même sur cette terre qu'ils sont des mardoubes, qu'ils sont les récipiendaires de la colère divine. Ils vont recevoir cette colère de la part de Dieu et ils vont recevoir cette colère entre les mains des hommes. Donc, quels sont ces crimes? Et examinez le Saint-Coran, vous allez voir que le premier crime qu'ils ont commis, c'est l'opposition contre les prophètes. Ces personnes se sont soulevées contre les prophètes et leurs crimes contre les prophètes ont été mentionnés. C'est pour cette raison qu'ils ont eu ce titre de Mardoub. Ceux qui se sont opposés aux prophètes de Dieu et ceux qui ont utilisé tous les moyens afin de les tuer et afin de tuer leurs opposants, leurs suivants plutôt, et afin de détruire leur message. Ces personnes ont été qualifiées de mardoub dans le Saint-Coran. Ces personnes qui ont reçu la colère divine et ces personnes qui ont reçu aussi la colère des gens, ils ont aussi reçu la colère de la part de la nature. Ou directement, on ne voit pas une main directe de la part de Dieu. Par exemple, quand les opposants du Saint-Prophète se sont opposés à lui, vous pouviez voir la main de Dieu à travers les croyants. Mais vous pouvez voir aussi la main de Dieu quand Pharaon a été noyé. Mais il y a certaines calamités qui frappent et dans ces calamités, on trouve un courroux sous-jacent. Il y a par exemple des tremblements de terre. Il y a des nations qui sont complètement annihilées à travers des calamités naturelles. Et les historiens ne peuvent voir la main de Dieu ici. Donc, ces personnes qui sont récipiendaires du courroux divin peuvent être divisées en trois catégories. Ce qui est la colère divine tombe et l'on peut voir cette colère divine visiblement. Vous ne pouvez pas le rater parce que ces personnes ont reçu la colère divine directement. Il y a ceux que la nature châtie, mais puisque cela a été prophétisé par les prophètes de Dieu, dans ce cas, en liant cette prophétie avec la conduite de la nature contre ces personnes, vous pouvez ajouter le tout et vous pouvez considérer cela comme une colère divine. Mais puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont détruites par des calamités naturelles, c'est pour cette raison que c'est un peu ambigu. Mais la troisième catégorie, ce sont des personnes qui sont punies ou qui sont châtiées par d'autres personnes. Donc, ces trois types de châtiments sont visibles et on a vu cela dans l'histoire de ceux qui ont reçu la colère divine. Pourquoi est-ce que les Juifs appartiennent à cette catégorie? Vous pouvez comprendre cela à la lumière de leur histoire. Les Juifs sont un peuple, une race, une religion, quel que soit le titre que vous les donnez. Donc, les Juifs ont été châtiés par Dieu et châtiés par les êtres humains. Et ce châtiment était si remarquable que tout châtiment
a laissé une marque indélébile dans les traces de l'histoire et le monde ne se fait l'écho de cette histoire et de ce châtiment. Ils ont reçu ces châtiments depuis les temps immémoriaux, avant même la venue du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avant même que le saint prophète, paix soit sur lui, n'ait reçu le charia. Avant même Jésus-Christ, les Juifs ont été châtiés par les hommes. Jésus-Christ qui a porté le message final pour les enfants d'Israël. Donc, cette punition est visible et aucun historien ne peut rater ces faits de l'histoire. Tout cela nous fait comprendre qui sont vraiment ceux qui sont mardoub et alayhim, quelle était leur attitude, pourquoi est-ce qu'Allah a déclaré qu'ils doivent recevoir ce châtiment extrême, pourquoi est-ce qu'ils devaient recevoir ce châtiment de la part de Dieu, par la nature ou par les êtres humains, pourquoi est-ce qu'ils reçoivent une telle colère? La chose la plus importante, c'est parce qu'ils s'opposent au prophète. Et ici, il y a un très grand avertissement pour les oulémas arrogants du Pakistan et pour les autres oulémas dans le monde, ceux qui se sont voués à s'opposer le Messie promis, l'islam, ceux qui sont en train de suivre les pas de tous ceux qui se sont opposés au prophète de Dieu. Donc, j'étais en train de lire cette histoire, comme mentionné dans le Saint-Coran. Et tous les prétextes qui ont été inventés par les opposants des prophètes dans le passé, ils se sont basés sur ces prétextes afin de justifier leur opposition. Et aujourd'hui, les oulémas sont en train de présenter les mêmes prétextes. Comme si, encore une fois, toutes les forces qui se sont opposées aux prophètes ont eu une nouvelle chance. Et maintenant, ils peuvent s'opposer au Messie promis, l'Islam, encore une fois, et ils peuvent essayer de se mesurer à Dieu. À propos du prophète Hud, nous lisons de la sourate Al-A'raf. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفهه وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفهه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. D'après ces versets, les raisons pour lesquelles les détracteurs de Houd l'ont rejeté est Inna naraka fi safahatin. Nous te voyons assurément perdu dans la stupidité. Nous te considérons pas comme une personne douée de bon sens. Et on a déclaré la même chose à propos du Saint-Prophète, paix soit lui, on lui a qualifié de Majnoun. Et cette excuse est présentée par les opposants des prophètes. Et dans leur arrogance, ils considèrent les prophètes comme saphirs. Et leurs suivants mentionnent la même chose à propos des suivants des prophètes. Ils déclarent. Est-ce qu'on va croire comme c'est ça? Donc, c'est exactement l'attitude qui a été adoptée à l'encontre du Messie promis à l'islam, une attitude qui est adoptée par les oulémas et par le présent régime du Pakistan. Ils ont écrit un papier contre le Messie promis à l'islam. Ils ont mentionné ce point-là, ce point. Ils déclarent
que après l'avoir étudié, nos ulémas ont déclaré que c'est une personne stupide. Donc, de ce fait, c'est un imposteur. Donc, les mêmes histoires se répètent. Et en fin de compte, pour arriver au même résultat. À propos du prophète Soler, فعقروا الناقة وأطاعوا أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. The chief men of his Les chefs de son peuple, c'est-à-dire du peuple de Soaler, qui étaient arrogants, dirent à ceux qui étaient considérés comme faibles, à ceux d'entre eux qui étaient croyants: Êtes-vous sûr que Soaler a été envoyé par son Seigneur? Ils répondirent: Nous croyons assurément en ce avec quoi il a été envoyé. On a posé la même question durant l'Assemblée nationale. Quand ils ont interrogé le troisième calife, on a demandé: Est-ce que vous croyez qu'il est un vrai prophète? Il a déclaré: Oui, nous l'acceptons comme un prophète. Il a dit: Non, nous ne le croyons pas, c'est un imposteur. Cette même attitude est adoptée à l'encontre de tous les Ahmadis. Je reçois dans mes lettres, dans mon courrier, des récits où des gens ont demandé aux Ahmadis: Est-ce que vous croyez vraiment que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad était un prophète? Et les Ahmadis ont répondu: Oui, nous les croyons, alors que les autres ont déclaré que c'est une supercherie. Donc, cette même attitude est répétée, et c'était l'attitude des opposants des prophètes. Et les orgueilleux ont essayé de détruire son moyen de transport. Ensuite, ils coupèrent les jarrets de la chamelle et se révoltèrent contre le commandement de leur Seigneur. Et ils dirent: Ô Salih, apporte-nous ce dont tu nous menaces, si tu es vraiment l'un des messagers. Naqa, c'est-à-dire la chamelle, est un symbole ici, parce que Hadrat Saleh utilisait cette chamelle afin de transmettre son message. Donc, en coupant les jarrets de la chamelle, cela veut dire qu'il voulait le priver de son moyen de transport ou de son moyen de transmettre le message. Aujourd'hui, la naqa pour la Jamaat Ahmadiyya, ce sont les publications, ce sont les livres, ce sont nos journaux. À travers ces livres, à travers ces magazines, on est en train de transmettre le message de l'Ahmadiyya. Et voilà ce qu'a fait le gouvernement pakistanais. Ils ont banni les livres du Messie promis l'Islam et les brochures et nos livres. Ils ont dit que nous sommes en train de transmettre le mensonge et nous n'avons pas le droit de le faire. Et ils vont encourir la même colère divine, cette colère qui est tombée sur les opposants du passé. Donc, je les ai fait comprendre que vous êtes en train de jouer avec le feu et certainement les mêmes calamités vont tomber sur vous. Des calamités qui sont tombées sur ceux qui sont venus auparavant, mais personne
ne m'écoutent et malheureusement ils vont partir à leur propre destruction. Ensuite, à propos du prophète Chouaib. الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. The chief men of his people who were arrogant. Et les chefs ont des, parmi les chefs parmi les habitants ont déclaré, on va vous faire sortir de là. Il a déclaré, même si nous ne voulons pas. Donc, la même histoire est répétée au Pakistan encore une fois. Les oulémas ont publié cet ultimatum. Ils ont déclaré que le gouvernement doit poursuivre tous les Ahmadis et les paroles de cet ultimatum ont été volées du Saint-Coran, de ces versets du Saint-Coran, sans mentionner la référence. Tout au moins, ils auraient dû avoir l'honnêteté de publier les références en disant que ce sont des paroles que nous avons tirées du Saint-Coran. Les paroles qui ont été, les paroles que les opposants du prophète Chouaib ont utilisées à son encontre. Donc tout au moins, ils devaient être honnêtes. Ils ont utilisé les mêmes paroles. Les ulémas déclarent que le gouvernement doit informer les Ahmadis que soit qu'ils doivent retourner vers notre foi ou vers la majorité, ou soit ils seront bannis du pays. Tout est répété en détail, mais malheureusement, ils ne disent pas d'où ils tirent leur éducation, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils s'opposent au prophète. Tells us قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. It is this particular verse to which I am referring now. Le peuple de Chouaib s'est opposé à lui et il les a conseillés de ne pas le faire. L'attitude qu'ils avaient adoptée était qu'il a déclaré, et ne vous asseyez pas sur tous les chemins menaçants et détournants de la voie d'Allah, ceux qui croient en lui et cherchant à la rendre tortueuse. Et souvenez-vous, quand vous étiez peu en nombre, et il vous multiplia, et regardez comment ont fini ceux qui ont créé le désordre. Les ulémas d'aujourd'hui ont déclaré qu'ils suivent l'Ahmadiyyat partout, ils se sont mis en travers de toutes les voies qui mènent vers l'Ahmadiyyat. Ils disent que quand leur chef est parti au Royaume-Uni, nous l'avons suivi là-bas. Et nous nous sommes assis sur toutes les voies qui mènent à l'Ahmadiyyat. Et nous avons arrêté les gens. Et nous avons empêché les gens de contacter l'Ahmadiyyat. Donc, est-ce que vous ne voyez pas la même attitude à l'époque de Chouaib?
Donc, s'il a failli, comment est-ce qu'on peut réussir? Malheureusement, voilà la fin de ces personnes, voilà la fin de ceux qui veulent arrêter le passage de la vérité. Il y a un dialogue très intéressant dans le Saint-Coran entre le prophète Shoaib et son peuple. Et l'on comprend les qualités de Hadrat Shoaib. Il excellait dans les débats, il était un très grand défenseur de la vérité et il était très intelligent parce qu'il percevait les moindres détails d'un débat. Il pouvait voir les points les plus minutieux. ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. You know, previously, in the first place, he was. Ses opposants ont déclaré que soit nous allons vous bannir, sinon, si vous ne retournez pas vers notre propre foi, vous serez banni. Il a déclaré ici que si nous ne sommes pas convaincus, comment peut-on retourner vers votre foi, vers votre religion? Ici, il déclare que si nous le faisons, alors nous allons prouver que nous étions des fieffés menteurs. Si nous revenions maintenant à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés, il ne nous sied pas d'y revenir à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. En matière de connaissance, notre Seigneur embrasse toutes choses. C'est en cela que nous avons placé notre confiance. Ô notre Seigneur, décide donc avec vérité entre nous et notre peuple, et tu es le meilleur de ceux qui décident. Cette déclaration ressemble à une déclaration très simple, mais c'est une déclaration qu'on doit étudier en profondeur. Et il y a plusieurs points qui méritent mention ici. Tout d'abord, pourquoi est-ce que nous vous avons abandonné? Il voulait faire comprendre cela à sa tribu. Il a déclaré, nous ne vous avons pas abandonné de notre propre chef. Nous vous avons abandonné parce que Dieu nous en a informés. On s'est détourné de vous, pas parce que nous croyons que nous étions dans la vérité, mais parce que nous déclarons que c'est Dieu qui nous en a informés, que vous avez commis des fautes, et c'est pour cette raison que nous nous sommes détournés de vous. Comment donc attendre que nous allons retourner vers vous sans prouver que nous sommes des fieffés menteurs? Donc, comment allons-nous faire machine arrière sans prouver que nous avions menti sciemment? Donc, voilà notre attitude aujourd'hui aussi. Nous disons que nous avons accepté l'imam Mahdi. Nous avons accepté l'imam Mahdi qui était le Hakam et Adel. Voilà ce que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, avait déclaré à propos de l'imam Mahdi. Et il nous a guidés sur l'autorité des révélations qu'il a reçues de la part de Dieu. Allah a déclaré que ces versets doivent être interprétés de cette façon, c'est-à-dire que Jésus-Christ est décédé, il n'est plus vivant au ciel. Il nous a présenté plusieurs arguments et quand il a eu des différends entre vous et lui, c'est parce qu'il était guidé par Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il avait le titre d'Al-Mahdi. Quand nous allons nous tourner vers vous, nous allons donc admettre
que nous avons menti sciemment, alors que nous ne sommes pas des menteurs, parce que des fiefs menteurs ne souffrent pas entre les mains de leurs oppresseurs. Voilà l'argument qui est présenté et c'est un argument très puissant. C'est pour cette raison que j'ai déclaré que Hadrat Shoaib était une personne qui excellait en débat et ses déclarations sont remplies de sagesse. En fait, ceux qui inventent des mensonges le font pour des buts spécifiques, afin d'avoir certains avantages, afin d'en tirer certains avantages. Si par exemple, quelqu'un déclare que telle ou telle chose l'appartient et qu'il a perdu cet objet, alors qu'en fait, il n'est pas le propriétaire, si les gens acceptent qu'il est le propriétaire, il va recevoir cet objet. Mais s'il est dit que si vous posez comme le propriétaire de cet objet, alors on va vous détruire et on va vous punir et on va vous insulter, on va vous torturer. Est-ce qu'un menteur va venir faire sa déclaration que cet objet l'appartient? Voilà l'argument qui est présenté par le prophète Shoaib. Il a dit que quand on a déclaré que Dieu est en train de nous guider, vous êtes devenus hostiles envers nous. Donc, cette déclaration est telle que tout le temps, les gens sont hostiles à de telles déclarations. Donc, comment peut-on être aussi stupide de faire une déclaration que Dieu nous a guidés et que vous êtes en train de nous châtier et après avoir été torturés, après avoir brûlé nos maisons, après avoir tué certains d'entre nous afin de nous avoir châtiés, nous allons déclarer, d'accord, nous étions des menteurs. Cela me fait rappeler une blague très intéressante qui s'applique à cette situation. Si les peuples de Shoaib avaient accepté et que s'ils étaient retournés vers leur religion originale, tel sera le cas de ces personnes. Il est dit que quelqu'un devait de l'argent à l'autorité pour l'eau qu'il avait utilisée. Donc, je crois que cette histoire s'applique ici, dans cette situation. Donc, il est dit que cette personne devait de l'argent à l'autorité pour l'eau qu'il avait utilisée. Donc, c'est une blague à propos de quelqu'un qui devait de l'argent à l'autorité et il devait environ, exactement plutôt, 100 roupies. Il a décidé de payer 99 roupies et de garder une roupie pour lui. Les Britanniques, et c'était le gouvernement britannique, et ils étaient très stricts concernant les paiements de leurs dues. Donc, cette personne est partie voir le préposé et elle s'est excusée. Elle a dit que je suis une pauvre personne. Il m'a été très difficile de réunir cette somme. Mais j'ai pu réunir que 99 roupies. Donc, j'espère que vous allez me pardonner et vous allez ignorer cette roupie. Cet officier a été très, très entraîné par les Britanniques. Il a déclaré que je vais le faire, mais à condition que vous soyez flagellé 100 fois à coups de chaussures. Si vous acceptez cela, alors je vais oublier cette roupie. La personne a déclaré, je suis un être humain et j'ai ma dignité. Je n'ai pas m'humilier au point de me faire flageller à coups de chaussures. C'est une humiliation extrême. Donc, je propose de manger sans oignons.
qui est très difficile quand même, dit sa sainteté. Ce ne sont pas des oignons britanniques, ce sont des petits oignons qui sont très très forts. Et il est très difficile de les manger. Donc il a déclaré, d'accord. Donc la personne qui devait de l'argent a commencé à manger les oignons. Et après avoir consommé 10 oignons, il s'est arrêté, il a perdu patience. Il a dit non. Je suis un être humain quand même. Il est très difficile de manger des oignons. Donc je préfère recevoir 100 coups de chaussure. Donc frappez-moi à coups de chaussure. Au lieu de... Je préfère avoir des coups de chaussure au lieu de manger des oignons. Quand on lui a frappé à 10 coups de chaussure, il a déclaré, arrêtez maintenant. Je suis un être humain et je suis une personne respectable. Donc je préfère manger des oignons de nouveau. Donc cela a continué, il a été frappé à coups de chaussure et ensuite il changeait d'attitude, il mangeait les oignons. Et en fin de compte, il a mangé sans oignons et il a reçu, on allait lui donner le dernier coup de chaussure quand dans son mouvement, son turban s'est déroulé et une roupie est tombée de son turban. Donc, il avait gardé cette roupie dans le cas extrême. Donc, il a pris cette roupie et il a donné au préposé. Il a dit, voilà comment Allah sauve l'honneur d'un pauvre. Voilà la roupie pour laquelle vous m'avez puni, vous m'avez châtié. Voilà l'argument qui est présenté par le prophète Shoaib. Il déclare que vous voulez nous faire croire que nous étions des menteurs, des fiers menteurs, et que nous étions en train de présenter des mensonges aux yeux d'Allah, et après nous avoir torturés, après nous avoir déshonorés, et après nous avoir insultés. Vous croyez que nous allons accepter la position antérieure et que nous allons retourner en arrière en admettant que nous étions des fiefs menteurs et que nous avons inventé des mensonges contre Allah. Donc le peuple de Shoaib était entre ces deux choix. Soit que nous allons vous torturer et qu'on va vous détruire, ou soit que vous devez vous détruire vous-même. En déclarant que vous étiez des menteurs et que vous aviez inventé tout cela au nom d'Allah. À travers l'inquisition, les gens font sortir des confessions. Et si vous ne confessez pas, vous êtes châtié. Et si vous confessez, vous êtes châtié de même. Donc voilà la situation qui est présentée par le prophète Shoaib. C'est-à-dire, vous ne nous laissez pas le choix. Il nous est impossible d'avoir ou d'adopter une autre attitude, parce que si nous adoptons la même attitude, nous serons vous allez nous châtier, et si nous changeons d'attitude, nous serons punis par Allah, et nous ne voulons pas être du mauvais côté par rapport à Allah. Et ils ont répété cela, que nous l'avons fait tout simplement parce qu'Allah nous a guidés. Donc, aucune pression, aucune torture va changer notre attitude. Pourquoi ne pas prier? Parce que nos cœurs et nos esprits sont entre ses mains. S'il décide, il peut changer notre attitude. Parce que nous avons déjà changé d'attitude malgré la situation difficile. Donc, si on a pu le faire une fois pour la cause de Dieu, si on a pu accepter tout cela au nom d'Allah, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire encore une fois si Allah le décide? Pourquoi ne pas le faire pour une vie beaucoup plus facile? Parce qu'une fois, on va rejeter ce message
et qu'on va retourner vers vous, vous allez nous accueillir à bras ouverts. Mais le seul problème, c'est que nous ne pouvons pas le faire sans la permission d'Allah. Donc, vaut mieux prier afin qu'Allah change notre cœur, nos sentiments. Mais il les avertit. Il s'est tourné vers Dieu. Il a déclaré, Ô notre Seigneur, décide donc avec vérité entre nous et notre peuple, et tu es le meilleur de ceux qui décident. C'est toi qui peux distinguer la vérité du mensonge. Donc, nous demandons ton jugement et nous demandons ta décision. Que s'est-il passé? À la fin, la même histoire était répétée. Ils ont continué à rejeter le prophète Shuaïb. Et ils l'ont considéré comme un menteur. Alors le tremblement de terre les saisit et dans leurs habitations, ils jugèrent prostrés sur le sol. Nous allons maintenant nous tourner vers le premier pharaon d'après le Saint-Coran. Les chefs du peuple de Pharaon suggérèrent à Pharaon, ils déclarèrent que si tu laisses partir Moïse et si tu laisses partir son peuple, ils vont créer le désordre dans le pays et ils vont t'abandonner, toi et tes dieux. Ils ne vont plus t'adorer, toi et ton peuple. Ou plutôt tes dieux, les dieux que tu es en train d'adorer. Voilà comment le premier pharaon était poussé à se rebeller contre Moïse. Et ici, la chose la plus intéressante, c'est que la même situation, la même chose s'est passée au Pakistan. Plusieurs délégations des oulémas sont partis voir le président du Pakistan, c'est-à-dire le dictateur, le général Zia, et ils ont eu la même attitude. Ils ont déclaré que si vous laissez partir les Ahmadis vont rejeter votre autorité et ils vont se rebeller contre vous. Et en fin de compte, ils vont apporter une révolution dans tout le pays et ils vont égarer les gens et l'Ahmadiyyat va se répandre rapidement dans le pays. Voilà le vrai danger. C'est un très grand danger pour nous, les oulémas, et c'est un danger aussi pour vous parce que vous êtes à la tête du pays. Ils sont donc un danger politique pour vous aussi. Donc voilà les deux raisons comment il a été convaincu. Et telle est l'attitude du gouvernement pakistanais vis-à-vis des autres gouvernements. Quand ces gouvernements ont protesté contre la persécution des Ahmadis, et nous avons eu les déclarations du gouvernement pakistanais, le gouvernement pakistanais a répondu au gouvernement étranger et leur réponse était donc j'ai pas mal
J'ai toutes les réponses avec moi. Donc, le gouvernement pakistanais déclare que nous n'avions pas le choix que de prendre ces mesures. Nous étions contraints de prendre ces mesures. Les ulémas ont déclaré que si on n'arrête pas les Ahmadis, leur message va se répandre et ils vont créer le désordre dans le pays. Et puisque puisque nous avions peur, nous n'avions pas d'autre choix que de prendre ces mesures extrêmes. Cela a été mentionné dans ces lettres et surtout dans ce soi-disant livre blanc qui est en fait un livre noir du gouvernement pakistanais. Donc, l'histoire est en train de se répéter et tous les détails se répètent aussi, dit sa sainteté. It is said about Il est dit Moses à and his propos followers, de how they will Moïse. be treated. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ verse which I have recited is applicable to the situation. It says, and when Et quand il est venu avec la vérité, ils ont déclaré tuer les fils de ceux qui ont cru avec lui. Mais les plans des incroyants sont vains. Les opposants de l'Ahmadiyyat ont adopté la même attitude. Ils ont dit qu'il faut laisser vivre leurs femmes et il faut tuer les hommes. Et 2 ans auparavant, ils ont fait ce complot et nous en avons fait mention au gouvernement pakistanais et nous avons essayé de déjouer ce complot. Et il voulait tuer les hommes parmi les Ahmadis et il voulait laisser vivre les femmes et les enfants. Le peuple de Pharaon avait le même plan pour les suivants de Moïse. Donc, ils sont en train de répéter la même histoire mot par mot. Ce n'est pas là l'histoire d'un seul prophète, mais c'est l'histoire de tous les prophètes ensemble. C'est pour cette raison que le Saint-Coran déclare qu'au temps du Messie premier, alayhi salam, Dieu va faire revivre tous les prophètes. Comment est-ce qu'il va faire revivre ces prophètes? Ces prophètes sont déjà décédés. Ces prophètes se sont retournés vers leur Seigneur. Cela veut dire que leurs histoires vont se répéter. Des histoires qui se sont passées, des histoires qui se sont passées auparavant. Tout ce qui s'est passé avec ces prophètes va se passer de nouveau à l'époque du Messie premier, alayhi salam. Pharaoh threatened them. أَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أُصْلِبَنَّكُمْ أُصَلِّبْ أُصَلِّبَنَّكُمْ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ There was a jazm instead there. I remember it was أُصَلِّبَنَّكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ Again it says, قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين فيروس
Pharaon a déclaré, vous avez cru en lui avant que je vous en donne l'autorisation. C'est sûrement votre chef et c'est lui qui vous a enseigné la magie. Vous allez en connaître les conséquences. Très certainement, je vous trancherai les mains et les pieds aux côtés alternés et très certainement, je vous crucifierai tous. Ils répondirent, ce n'est pas grave, car c'est auprès de notre Seigneur que nous retournerons. Nous espérons que notre Seigneur nous remettra nos péchés, puisque nous sommes les premiers croyants. Ô Allah, accorde-nous la patience de ta part et fasse que nous soyons toujours soumis à toi et que nous mourrons dans cet état de soumission. Donc aujourd'hui, on est en train de reconstruire la même histoire. Le terme Ouswal Ibn-Nakum n'a pas été utilisé parce que maintenant, la crucifixion n'est plus à l'ordre du jour. Et il ne coupe plus les mains et les pieds tout comme il le faisait dans le passé. Mais le même châtiment est utilisé aujourd'hui pour les mêmes raisons, avec le même objectif. Quand je vais m'appesantir dessus, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vais mentionner un incident qui m'a été rapporté, ou plutôt un interview qui m'a été rapporté. C'était un interview entre le général Zia et certains journalistes suédois. Le général Zia a déclaré que les Ahmadis sont en train d'abandonner le Pakistan et cela est très mauvais pour le pays. Ils abandonnent le pays en présentant des prétextes. Et on doit arrêter cela. Et quand vous arrêtez quelqu'un, quand vous ne les laissez pas abandonner l'endroit où il est persécuté, cela veut dire que vous êtes en train de lui couper ses mains. Cela veut dire qu'ils n'ont plus les moyens de gagner leur vie respectueusement, tout comme les autres citoyens du pays. Ils sont privés des moyens ou de la moyenne de subsistance. Ils ne peuvent plus avoir des moyens de subsistance. Donc, cela est très évident et cela peut être prouvé que les ulémas ont mis de la pression sur le gouvernement afin de jeter les Ahmadis hors du service public et afin de créer des difficultés économiques pour les Ahmadis, afin que les Ahmadis ne puisse plus survivre dans ce pays. Parce qu'ils ont organisé tout cela et ils l'ont fait de façon très mesquine. Donc tout cela a été organisé. Et donc cela veut dire, voilà ce que veut dire couper les mains. C'est pour cette raison qu'on coupe les mains des voleurs. Parce que cela va créer l'image. L'image de leur main qui est coupée parce que, puisqu'ils ne peuvent plus utiliser leurs mains pour avoir un moyen de subsistance, c'est pour cette raison qu'on coupe leurs mains. Donc la punition est un symbole de leur crime. Donc trancher la main signifie priver les gens de leurs moyens de subsistance. Cela a été fait dans ce cas, dans le cas des Ahmadis. Et quand les Ahmadis ont cherché recours ailleurs, le général Zia a donné l'ordre d'arrêter ces Ahmadis. Et ces ordres ont été suivis à la lettre. Et cela a été suivi à la lettre par tous les officiers de l'immigration. Ils ont déclaré
que toute armada qui veulent sortir doivent être arrêtés. Ils n'ont pas le droit de partir. Et dans certains cas, même quand ces armadis ont quitté le pays et quand ils se trouvaient dans un pays ami du Pakistan en transit, donc quand ils se trouvaient en transit par exemple en Turquie, même de ce pays étranger, alors que ces armadis ont déjà abandonné le pays, ils ont été déportés de nouveau au Pakistan. Cela ne s'est pas passé dans un seul cas, mais cela s'est passé dans plusieurs cas. Dans un cas, des centaines d'Ahmadis qui avaient ou qui partaient vers la Suède. Ces Ahmadis qui voulaient chercher des moyens de subsistance parce qu'ils en ont été privés dans leur pays, pendant qu'ils attendaient leur avion en escale à Istanbul, le gouvernement pakistanais, les autorités ont contacté les autorités turques et les ont demandé de déporter ces personnes de nouveau au Pakistan. Et au Pakistan, ils ont été emprisonnés et plus tard, ils ont été libérés. Donc, couper les pieds et les mains veut dire ne pas laisser ces personnes s'émigrer. Couper leurs pieds, cela signifie qu'ils ne peuvent pas quitter le pays. Donc, le gouvernement du Pakistan aujourd'hui est en train de faire ce que le pharaon du passé était en train d'accomplir. À la fin, je vais citer. زروني أقتل موسى واليد ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفضاء. Before I left Pakistan, this was the Voilà le complot contre moi avant que j'abandonne le Pakistan. Ils ont publié, les ulémas ont publié quotidiennement cette demande. Ils ont déclaré, tout comme le général Zia a tué Bhutto, moi, c'est-à-dire Tahrir Ahmad, je suis pas beaucoup plus grand que Bhutto, donc il doit répéter la même chose, il doit me tuer. Imaginez cela dans un pays soi-disant civilisé. On est en train de faire cette demande quotidiennement. Et on a fait un complot contre moi. C'est-à-dire, il y a cet incident à propos du Maulana Aslam Qureshi. Et le gouvernement était en train de se préparer afin d'avoir assez de prétextes pour présenter au monde et pour m'arrêter et pour me punir. Donc, la même chose a été déclaré à l'époque du pharaon. Il y a quelques minutes. On peut pencher les gars.